C'est dans un petit refuge au fin fond de la Haute-Savoie que commence notre histoire. Un touriste anglais s'est mis dans la tête de percer le secret du fameux dahu. Bonsoir tout le monde. Qui veut venir avec moi à la chasse au dahu? La chasse au dahu? Ah, c'est une bonne idée ça. Mais il nous faut un bon guide pour aller dans la montagne. Un vieux guide savoyard, ayant un petit coup de gnôle dans le ciboulot, accepte d'emmener les deux touristes en quête d'aventure. La tipa qui a deux manchettes perdues. Bon, moi je vous y emmène si vous voulez. Allez les gars, on y va. Et voici nos trois acolytes partis pour un périple pour le moins extraordinaire. Oh, regardez les gars, v'là tipa que j'y vois le dahu. Ah ça, oui, pour sûr, c'est le dahu. Excusez-moi, c'est bien vous le dahu? Vous trouvez vraiment que j'ai une tête de dahu? Est-ce que j'ai des cornes sur ma tête? La quête de nos aventuriers continue. Ah bah celui-là, il a des cornes. Pour sûr, c'est le dahu. Excuse me, c'est bien vous le dahu? Ah bah non, c'est pas des cornes que je sors la tête, hein. C'est mes oreilles. Vous êtes biglou, quoi. Décidément, le dahu n'est pas facile à trouver. Bah celui-là, il a des cornes, c'est sûr. Si c'est pas le dahu, eh ben je suis bon pour payer une tournée à tout mon village. Ah bah non, le dahu, il est boiteux, c'est bien connu. Moi, je cours normalement. Et de toute façon, l'histoire du dahu, c'est une légende. Ah bah là, les gars, j'abandonne. Je vais prendre un petit remontant avant de repartir à la maison. Ouh là 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 là, on a perdu le guide. Ouh, bah là on est mal, très mal. Oh, youpi, le dahu! Ouais, le dahu! Oh. Ouh. Ah, le guide est réveillé, nous sommes sauvés. Vin du, j'ai trop bu. J'y rentre à la maison. Tant pis pour le dahu. Au revoir, pas les gars. Et c'est ainsi que la légende du dahu continue à faire l'objet de bien des discussions dans les refuges de Haute-Savoie et d'ailleurs.